Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Monster Truck Madness, sorti en 1996 sur micro-ordinateur, cette fois-ci, édité par Microsoft, un jeu, ma foi, plutôt connu si vous avez été dans les années 90, en tout cas au début des années 90, même avant. Donc c'est un jeu de Monster Truck, comme vous l'aurez compris, qui à l'époque était plutôt sympa, ma foi, j'en ai des souvenirs assez éloignés d'avoir joué avec ma voisine qui avait la chance d'avoir un père qui travaillait chez Dell et du coup avait plein d'ordinateurs à la maison et du coup on est venu jouer à ce jeu et on a plutôt aimé, même si on n'arrivait jamais à gagner des courses finalement parce qu'on s'amusait plutôt à faire n'importe quoi et à sortir des sentiers battus. Alors on va faire un nom de pilote, on va mettre notre nom. C'est parti, on va changer le niveau du difficulté, on va le laisser en débutant pour le moment. On va faire donc une course. Alors le son du jeu est peut-être un peu fort, on va le baisser un tout petit peu. C'est toute la musique qui est forte, mais bon, on va faire course. On a plusieurs modes de jeu, on peut faire un mode duel, un mode circuit, un mode rallye, un mode tournoi. Alors ce que je vous propose c'est que l'on fasse un changement de véhicule. Vous pouvez voir on a pas mal de modèles différents. On a le Carina Crusher, Grave Digger, Monster Patrol, le Overkill, Overwheels, Rampage, Samson, Snakebite, Wildfoot, et c'est tout. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a, ce qui est plutôt pas mal. Alors, donc, on va prendre par exemple celui-là, hein, pourquoi pas. Alors, c'est toujours une musique qui tourne en boucle, hein, par contre, au niveau de la musique, ça s'arrête là. On a un mode circuit et un mode rallye, on va faire un mode circuit pour commencer. On peut donc choisir le nombre de d'IA contre nous, donc on va baisser notre tour à 3, on va rajouter par exemple celui-là, on va rajouter le Rampage, on peut aller jusqu'à 8 véhicules en même temps, on va garder ce réglage par défaut. J'ai laissé le jeu par défaut, hein, donc les graphiques sont normalement, enfin il n'y a pas plus. On est quand même en mode 3D activé et pas en mode direct draw de l'époque, enfan direct draw, donc on a quand même l'accélération 3D. On va voir le garage, on peut faire des réglages apparemment. Vous voyez, on peut changer la sculpture légère, normale, profonde. Je pense que c'est pour le grip. On va laisser par défaut. Par contre, ce qui m'intéresse ici, c'est l'accélération et la vitesse. Je pense qu'on va mettre un peu plus de vitesse, parce que j'ai l'impression qu'on va se traîner sinon. Donc on va faire OK. On a plusieurs circuits, donc pour l'instant on en a 5. On a le bambou, le canyon de la mort, le grand 8, le tourniquet ou escarpé. On va prendre le premier, petit bambou. Et on va faire une course. C'est parti. On accélère donc avec les flèches. Alors d'abord on est en vue embarquée. On a la boîte de vitesse à droite qui s'affiche. On est en vitesse maxi déjà. On va essayer de dépasser les autres pilotes sur le côté. On va pas sauter. On va vraiment esquiver le décor. Et du coup on est parti. On va changer de vue encore. Je ferai une vue beaucoup plus éloignée. Regardez là par exemple j'ai rebondi sur l'eau. Du coup le Monster Truck a fait un petit peu n'importe quoi. On va changer de vue, on a une vue aussi, voilà, vue de dessus qui est totalement injouable. Et cette vue qui est quand même assez magnifique pour les box, c'est une vue voilà, du caméra. On a le décor qui se détruit, on va regarder cette vue, hein. Je pense que c'est quand même la vue la plus sympa. On va donc continuer sur ce tour magnifique. Donc vous avez compris, hein, c'est un jeu de Monster Truck, un jeu de course, tout ce qu'il y a de plus banal en fait, hein, par rapport à ce qu'on avait déjà à l'époque. Mais, avec ces petites particularités assez sympas, le fait de pouvoir aller un peu où on veut sur la piste, pouvoir prendre des raccourcis si on veut, on n'est pas obligé de passer par exemple par là, hein, je pourrais plus aller à gauche, à droite, aller dans l'eau. Voilà, donc je fais un petit peu ce que je veux. Voilà, bon, je vais faire ça correctement, histoire de vous montrer ce que ça donne quand on gagne une course. Je suis en mode facile, donc effectivement les IA derrière sont pas très rapides. On a un petit radar à gauche, à droite pardon, avec vous pouvez voir, alors il y a des petits cailloux, attention, pas se renverser. on a voilà un petit GPS qui nous dit où il faut tourner, donc le point vert ça donne l'angle du prochain virage. On a des sauts, regardez-moi ça, saut magnifique. Attention alors au rebondissement, hein, si on rebondit trop. Suspension en soupe c'est pas mal pour avoir du grip, mais par exemple ça nous fait rebondir d'un coup quand on fait un saut. Je vais prendre le milieu. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à gérer mon saut. Et regardez devant, ils sont encore là, je sais pas ce qu'ils font. Ils se font. ils y arrivent pas, ils sont super lents. Je pense qu'on va mettre le mode normal la prochaine fois parce que là en mode facile c'est n'importe quoi. Regardez, ils ont même pas fait un tour en fait, ils ont même pas réussi à passer un virage. L'IA est quand même dans les choux.
Et voilà, donc dites-vous qu'à l'époque, quand même, ce jeu, c'était pas extraordinaire en termes de graphique, mais c'est vraiment extraordinaire dans le sens où la physique est quand même très très bien rendue. On peut le voir quand même, voilà, au niveau des, du travail des suspensions, du truc. Alors maintenant, ça fait rigoler, hein, sincèrement, c'est quand même assez mal fait. Mais pour l'époque, c'était quand même vraiment bien. Si je tape les plots, voilà, ils s'enlèvent, il y a une gestion des collisions, évidemment, avec le décor. Mais si je suis passé par là, hein. Regardez, je peux passer par là. Sauf qu'il faut que je passe à chaque fois les checkpoints. C'est-à-dire que si en gros je passe pas par cette porte, eh ben, il faut que je revienne jusqu'à la porte numéro 3. Là je vais à la porte numéro 4 qu'on a déjà eu tout à l'heure. Cette musique est ultra... Alors cette musique est sympa hein, dans l'absolu, mais elle est ultra redondante. Et franchement, elle commence déjà à m'énerver, donc on va se taper pendant quelques minutes, je suis désolé. Vous voyez là par exemple, il y a un saut. Mais je n'étais pas obligé de prendre le saut, hein. J'aurais pu passer à gauche ou à droite du saut pour éviter de faire un saut. Bon là ça va, hein, c'est pas trop compliqué. On va aller jusqu'à la porte numéro 1. Ah oui, je suis bloqué à 55 km/h, mais si j'avais mis la boîte longue, j'aurais pu aller plus vite. Alors que là on a encore une IA qui fait n'importe quoi. Et surtout, vous l'avez entendu, on a un commentateur. Alors là, attendez, je fais n'importe quoi. Du coup je suis tellement bloqué, voilà, là je me remets sur le circuit. On va prendre la porte numéro 2. Et oui, on a des décors qui peuvent nous empêcher de passer bien comme il faut. Regardez là par exemple, ça m'a un petit peu déstabilisé. Ah, j'ai passé sur le côté par exemple. Alors c'est pas le truc à faire forcément, hein, parce qu'on prend plus de risques des fois en faisant les extérieurs. On va remettre un petit peu la vue extérieure. Alors j'aime bien cette vue parce qu'elle a l'air un peu plus fluide par rapport aux autres. C'est bizarre, j'ai l'impression d'être beaucoup plus rapide, regardez. J'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite. Alors que c'est pas spécialement le cas, hein, c'est juste une impression. L'IA fait n'importe quoi, hein. Je pense qu'on va mettre le jeu en plus difficile. Alors attendez, on va voir ce qui se passe. Je vais prendre la porte numéro 3. Je vais voir ce qui se passe si je rentre dans l'hélicoptère. Je peux déplacer l'hélico, regardez. L'hélico, je vais l'envoyer valser. On va l'envoyer ouais, là-bas. Oui, j'ai le temps hein, de toute façon. Et regardez, ce qui se passe, c'est que si je vais là-bas, bah, y a encore du décor. Concrètement, je peux encore m'amuser à me balader. Et de souvenir, bah, quand on était gamin, on s'amusait surtout à faire des sauts assez hauts. On va revenir sur la piste. Vous avez, on a une trace aussi, hein, faite par le camion, enfin le camion, pour le monster truck. Et qui va rester un petit peu, évidemment, après elle s'efface. Hein. Je gère pas les traces tout le temps en mémoire. Elle va faire un dernier petit saut et normalement on devrait remporter la victoire parce qu'il y avait 3 tours à faire. Et regardez, je suis tombé, non ça va, je suis tombé sur les pattes arrière. Grave Digger vient de gagner la course. Et on a droit à une petite vidéo, regardez, c'est sympa. C'est là qu'on a remporté. Et avec une petite cinématique. Et vous voyez, on a la musique qui tourne en fond du CD. Et ça c'est vraiment horrible. Normalement on est censé avoir le son à part du son du jeu, et là en même temps c'est assez, assez particulier. Alors je précise que c'est évidemment compliqué à faire tourner maintenant sur les PC actuels. Donc il y a quelques petits bugs qui sont liés à ça, mais n'inquiétez pas, normalement la musique ne tourne pas en même temps que le son de la vidéo. Alors, donc on a tour accompli 3, tour en tête 2, ils ont fait qu'un tour. Hein. Il n'a même pas fait un seul tour depuis le début. Quoi. On a un retour image, vous allez voir c'est assez cool. On peut revoir ce qui s'est passé sur le tracé, on peut voir l'IA qui est complètement à la ramasse, qui va même s'enfoncer dans le mur. On peut changer la caméra, par exemple on va se mettre sur nous. On peut se voir comme ça, on peut accélérer, on peut mettre pause. Je peux aller plus vite si je veux, carré, ouvert, je peux même enregistrer la vidéo si je veux, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite on a un mode zoom, voilà, si je veux sortir. On peut revenir en appuyant sur échappe. Voilà, et en plus dans un échappe, moi je me suis remis en mode fenêtré. Du coup, ça va bugger. Bon, c'est pas grave, on va faire fermer. Le bain de boue, donc ça c'est fait. On va faire terminer. Et je propose de voir un autre mode de jeu. Alors que j'ai envie d'enlever au niveau du son, la musique. Mais je sais pas comment on fait. Donc on laissait comme ça. Je sais pas si je peux enlever le son du... Non, on peut pas l'enlever, hein. C'est bizarre. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Je vous propose un mode rallye, on va changer de véhicule d'ailleurs, je vais reprendre par celui-là.
Par un mode rallye, on va rajouter évidemment quelques IA. Ah oui, par contre ce qu'on va faire effectivement, c'est le niveau de difficulté, on va le mettre en confirmé. Donc ça vraiment ça sera un peu plus difficile. Donc, mode rallye, on va mettre overkill, on va mettre à nouveau celui-là. Et on a le circuit d'Arizona, aventure de Yucatan, le rallye des plaines. Je vous propose l'Arizona pour commencer et on va faire une course. Alors là, on va essayer de les dépasser. On va changer de vue. On a quelques effets de collision. Et l'IA qui me met dehors en plus. Oh mon dieu, l'IA est totalement dans les choux. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Ah non, c'est bon, elle continue. Donc là, on va passer par là. On a quelques décors. Alors là, je peux suivre la route pour prendre le checkpoint. Mais j'ai pas forcé, hein. je peux rusher sur les côtés si je veux. Là par exemple, typiquement, je suis, mais je sais pas où se trouve le prochain checkpoint. C'est pas facile, de rien manier. Alors les, ils ont tendance quand même à glisser un peu. De toute façon, je suis toujours premier sur 5. Je suis la route, hein, mais je suis pas forcément obligé. Regardez, on a les décors qui sont quand même plutôt bien faits, enfin pour l'époque en tout cas, hein. Rappelez-vous, on est en 96-95. Et là, on va aller chercher. C'est un mode rallye, hein, donc normalement, mode rallye, c'est pas trop compliqué, c'est pas trop un circuit. Et ben, quand ça marche, ça marche. Je sais pas ce qu'il dit le spotter, mais bon, je sais même pas de quoi il parle surtout. On va essayer de voir ce que ça fait après en tapant les. En tapant les décors, ce qui se passe. Je pense pas qu'il se passe grand chose, sincèrement. On va essayer de prendre une maison. Ouais, voilà, on se prend la maison, il se passe rien de plus. Et là, je suis bloqué, je ne sais. Je ne sais même pas comment je fais pour changer de. Je sais pas comment je change de vitesse. Alors attends, on va voir les commandes quand même. On va voir les commandes des commandes. Regardez en arrière, vitesse suivante, vitesse inférieure c'est Z. Donc vitesse inférieure c'est Z. Et vous allez voir qu'il y a pas mal d'autres options, vous allez voir. On va mettre par exemple. Donc c'est Z, hein, si je veux aller en arrière normalement. C'est ce que le jeu me dit, mais finalement il se passe rien. Donc on va refaire les options graphiques, vous voyez, je ne me souviens même plus. Options des commandes, on va revoir. Il me semble qu'il y avait positionnement automatique, c'est S, voilà. S. Hélicoptère de secours, c'est H. On va lancer l'hélicoptère. Et on va voir ce qui se passe. Regardez, on a un hélicoptère qui arrive, qui va nous chercher, qui va nous sortir de là. Ça c'est quand même pas mal, hein, mine de rien, ce genre de petits détails. Alors évidemment, on perd beaucoup de temps. Bon, de toute façon, l'IA est tellement dans les choux que je pense qu'on n'aura rien à faire contre eux, c'est dommage, mais bon. C'est comme ça. Et on va donc essayer de passer par là. Alors c'est pas évident, je vous dis franchement, le maniement ça passait parce que t'es sur un circuit tout à l'heure et qu'il y avait des petites. Des grosses lignes droites et 2-3 virages. Mais ça glisse quand même pas mal. Regardez, si je passe par là, je tourne, ça tourne, ça a vraiment du mal. Et je pense que c'est le genre d'endroit où j'aurais dû par exemple mettre des réglages pour avoir des. Faut envoyer l'hélicoptère plus de grip. Quand je freine, regardez, ça tire tout droit. Et encore une fois, je suis à la rue. Alors si c'est un clavier en QWERTY, ça veut dire que le W c'est Z. Ah je sais pas trop bon ça vraiment. On va faire le tour. Et le spotter a quand même une voix assez particulière. Regardez le saut. Ouh. Et on change de décor, regardez, maintenant on est repassé un petit peu dans l'herbe. Par contre, vous voyez quand même que le décor s'affiche au fur et à mesure. On a un effet de clipping qui est vraiment énorme. Alors évidemment, le commentateur commente ce qui se passe derrière nous, mais comme on le voit pas vraiment, tout simplement parce qu'on est trop loin, hein, ça n'a pas trop d'intérêt. Regardez-moi ça, cette lenteur. Alors on a un petit effet de map mapping, à l'époque il n'y en avait pas trop, mais bon là c'est vraiment le cas. On voit par exemple que la piste s'affiche, enfin, les textures au loin sont un peu plus floues, plutôt au niveau de la bande jaune. Elles sont plus pixelisées.
et on va finir ce rallye. Ah, c'est vraiment du mode rallye, hein. Ça concrètement, c'est pas vraiment le même type de course. C'est vraiment un circuit assez sinueux. Ah, j'ai tapé le panneau. Mais j'ai droit, hein, on va pas se gêner. Ouais, par exemple, j'aurais pu tirer tout droit si je voulais. Oh, bah c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Alors ça vous fera peut-être penser un petit peu à Cat4 Evolution qu'on avait testé sur PS2. C'est un peu le même style, mine de rien, sauf qu'évidemment on parle de jeux qui ont 6 ans d'écart. Là je me suis retourné. On va reprendre la piste. Je vous propose, bon, pas forcément cette vue, mais cette vue là qui est quand même plus amusante quand on fait des sauts. Vous allez voir, on a un petit effet de... petit effet de profondeur. Imaginez ce jeu en VR, je pense que ce serait plutôt la gerbe, mais bon. Regardez, quand même, je trouve que le circuit est intéressant. Hein. Alors je pense que c'est un mode rallye dans le sens où il n'y a qu'un tour. Mais le circuit quand même est vraiment long, vraiment sinueux. Je sais pas du coup combien de tournées, on est déjà à 5 minutes de course, on n'a même pas fini. Alors d'ailleurs, on est sur un pont, si on tombe, on n'a aucun grip. Alors on est à fond, 80 km/h quasiment. Et on va arriver jusqu'au checkpoint numéro 4. Ah, j'ai tapé le... Carolina Crusher a le ventre en l'air. Ah, sauf que malheureusement il m'a mis au mauvais endroit, donc on va faire venir l'hélicoptère pour nous sortir de là. Oh non, c'est un... Oh, regardez, c'est même pas un hélicoptère. C'est un pterodactyle. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On a un pterodactyle qui va nous chercher, qui va nous amener du coup. Ok, donc on va essayer de reprendre. Ne pas se planter cette fois-ci. Ouais, c'est bon, on a réussi. Alors là, je le détail, je ne m'étendais pas du tout. C'est fort dépanné par un coléoptère. Enfin, un coléoptère. Par un. Pterodactyle. Alors on est en ville. Hop, on va passer par là. Alors c'est un jeu qui peut jouer en ligne, apparemment. Il y a même un petit joueur en ligne, ou en réseau peut-être. Ça peut être sympa, ma foi. Peut-être qu'on peut jouer à deux sur les conspités aussi, ça pourrait être cool. Boogie Van semble chercher un raccourci. Voilà, mais bon, le gros défaut, mais je pense que c'est dû à la version, hein, on va pas se mentir, l'IA n'est pas présente, hein, il n'existe pas. Il y a un gros bug avec l'IA. On n'a pas fini, hein, le circuit est quand même très très long. Oh, je me suis totalement loupé, regardez-moi ça. Bigfoot Power Wheels vient de finir dans le décor, ne laissant derrière lui que chaos et désolation. Alors, on va continuer à passer par là. En tout cas, c'est réellement de bons souvenirs ce jeu. Alors évidemment, au moment où je vous parle, c'est... ça paraît anecdotique, hein, mais vraiment, il faut dire qu'à cette époque, ce jeu, pour... il y a eu des suites, hein, d'ailleurs, ça. Avait quand même marqué partie de la génération. Bigfoot Power Wheels vient de gagner la course. Et voilà, donc on a gagné la course, c'était très facile. Mais bon, je pense que on n'aurait pas gagné si l'IA avait été là. Plus de mal. On a droit à quelques cinématiques. Dommage que la musique de derrière gâche un peu le tout. Et voilà, donc c'est terminé. Alors, juste revoir une petite option au niveau du son. On remet le CD, test du CD audio. Alors, on a le test de l'équipement CD. Alors, vous voyez pas, mais en fait, on est en mode fenêtré quand on joue à ce jeu. Les menus se font en haut, comme sur un. C'est un mode fenêtré en fait, c'est un peu bizarre. Le jeu se passe en full screen en fait quand on lance la course. Mais quand vous êtes dans les menus, vous êtes en mode fenêtré, c'est ça que c'est assez particulier. On va faire fermer. Je vous propose de voir un autre mode qu'on va faire précédent. Alors par contre, j'aimerais vraiment enlever cette musique sans déconner, s'il vous plaît. Je vous demande de vous arrêter, quoi. On va enlever ça, on va le mettre à 0. Faire OK. On va changer de véhicule, on va prendre par exemple... je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre par exemple... Whitefoot on l'a pris, Rampage il est pas mal, on va prendre un truc un petit peu différent. Alors Bigfoot normalement c'est suite par défaut. Snake
Impact, on a déjà pris Q. Bon, on va prendre lui, hein, écoutez. Et on va faire un mode tournoi. Alors, les rencontres dans l'ordre de course, donc on aura ça comme circuit. Deux tours, le grand vide, etc. Donc on peut faire personnaliser les rencontres, si on veut. Par exemple, Bamboo, on l'a déjà fait, on va l'enlever. Par contre, c'est non le tournoi, regardez, on a plusieurs tournois. On va garder par exemple le tournoi de l'enfer, pourquoi pas, ou le triathlon. Triathlon Monster Truck, on va prendre celui-là. Et on va faire retour. Voilà. Et on va donc, dans le garage par contre, on va mettre des sculptures profondes pour avoir un meilleur grip. On va baisser la vitesse un petit peu et on va faire course. Donc le jeu du circuit c'est le Transworld Dome. Alors c'est un duel finalement qu'on a lancé, j'ai pas trop compris. On va faire course. Prêt pour les qualifications. Pour se positionner sur la grille de départ. Ok, c'est parti. Alors attends, on va changer la vue. Parfait. Alors j'ai pas compris. Power Wheels a 30 secondes pour se positionner sur la grille de départ. Parfait. Ah, je suis pas qualifié. J'ai pas trop compris là le mode de jeu, on va voir un petit peu. Power Wheels a 30 secondes pour se positionner sur la grille de départ. Partez. Ok, alors on va voir les astuces parce que je ne comprends absolument pas ce qu'il faut faire. Bon, c'est pas grave, on va faire annuler. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire en fait. Apparemment on a perdu. On va faire Bigfoot Power Wheels a 30 secondes pour se positionner sur la grille de départ. Ok. Donc là on va attendre. On s'est mis sur la grille de départ. C'est ça qu'il faut faire hein, finalement. Bigfoot a 10 secondes pour se positionner sur la pré-grille de départ. Ah mais je pense avoir compris en fait. Alors attendez, on va essayer de comprendre le but du jeu. Partez. Ok, on est sur la grille. Les deux véhicules sont disqualifiés, je comprends rien. Bon écoutez, c'est pas grave, on va faire annuler. On va changer le mode de jeu parce que là je ne comprends absolument pas le but du jeu. On va faire retour. On va faire un duel, mais bon le duel je pense que ça n'a pas marché. On a le BG Place, In-State, je pense que c'est duel, d'accord, mais... Bigfoot Power Wheels a 30 secondes pour se positionner sur la grille de départ. Je ne sais pas ce que je suis censé faire en fait complètement. Alors il propose d'afficher des astuces, mais on les a pas. Enfin, moi je les vois pas en tout cas. Je ne les ai pas que ça affiche, donc on va faire annuler. Bon bah écoutez, c'est pas grave, de toute façon vous avez compris à peu près le but du jeu, hein. Je vais pas vous apprendre grand chose. On va refaire un petit circuit, on va faire un autre tracé par exemple, on va faire le tourniquet. Le grand 8 c'était pas mal, le souvenir ou le cône de la mort. On va prendre le grand 8 tiens par exemple. On va mettre le maximum d'IA d'ailleurs, parce que ça fait, voilà, j'ai rajouté un peu de tout j'ai l'impression, regardez on est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 en piste. Allez c'est parti, niveau garage je vais mettre les sculptures profondes pour le meilleur grip, et on va faire ok, c'est parti. On a tellement mieux démarré qu'eux. Par contre ils sont super lents, oh, j'ai du mal à... garder le grip là. Ouah. Ah, et je me souviens de cette course. Ça, c'est peut-être le dernier souvenir que j'ai de ce jeu. C'est vraiment cette course là, voilà, avec le saut dès le début. Et on s'est loupé. Alors, voilà, le freinage est vraiment très compliqué. En plus, je fais un demi-tour qui va pas du tout. Power Wheels vient de rater un point de contrôle. Ah, bah là, j'ai plus que raté, hein. J'ai totalement loupé. Alors que les IS semblent revenir hein, par contre derrière nous. Voilà c'est bon, on va pouvoir prendre le point de contrôle numéro 4. Ouais je veux passer par là hein, si je veux. Je peux m'amuser à aller ici. Je sais pas à quoi ça sert, en plus je me suis loupé. Oh j'ai réussi à passer finalement.
On va aller chercher le point numéro 5. Et du coup, est-ce que j'ai pris un raccourci? Bah oui, un petit peu en fait. Oui, il y a un petit raccourci que j'ai pu prendre. Alors par contre, voilà, le grip, on a aucun grip, c'est assez bizarre. On en a pas mal quand on est sur le sec, enfin sur le sec, sur le gravier. Mais on en a aucun quand on est sur le bitume, comme c'est le cas ici. Alors ce que j'aimerais vous montrer, c'est voir si on peut tout casser. Évidemment. Genre on a une enclume, on a un petit Vetail, on a une voiture. Ça ressemble à une Mazda. Je sais pas si je peux me débloquer, je pense pas, donc on va faire sortir le dépanneur. Voilà, qui va nous remettre en piste. Alors il y a 10 tours, on va faire les 10 tours, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus de toute façon. Il y en a mettre où d'ailleurs du coup. Ouais, on va voir si c'est possible de casser par exemple une... caravane. On va essayer de faire ça. Et on se laissera là-dessus. Ah, attention au saut. Voilà, bon je pense pas que le véhicule à droite en puisse le bouger. Et peut-être que les caravanes, on va pouvoir... Regardez, ils font n'importe quoi, ils sont toujours dans le premier virage, hein. Ils ont même pas réussi à avancer. Ah, on en a un qui va tenter de se faire replacer. On va repasser par là parce que c'est super cool. On a un peu de vitesse, voilà, c'est mieux passé du coup. Et on va essayer de se faire des caravanes. Ah, on a une IA qui a réussi à aller un peu plus loin. Oh, et au freinage, ça passe pas. Oh non, c'est que... Ah là là, mon dieu, cette intervention, c'est magique, c'est magique. Ça a tellement vieilli, mais c'est drôle. Regardez, par exemple, la caravane, on va la mettre dans l'eau. Allez, au revoir la caravane. Bon, évidemment, il se passe rien de plus. Mais on peut jouer avec si on veut. Allez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc, c'était Monster Truck Madness sur son ordinateur, le premier. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. On va mettre une petite vue... de caméra, voilà comme ça pour faire pour voir un tir, on va péter le panneau au passage. C'est quand même sponsorisé par Ford, hein. On a quand même des marques, des vraies marques de Monster Truck. Regardez le saut, magnifique. Donc si je veux, je peux jouer comme ça. Bon, ça n'a pas l'air évident quand même. Ah, en plus, je vois même plus le décor devant moi. J'ai freiné, ça n'a pas marché. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve pour une autre vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires comme d'habitude. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.